C'est un vibromasseur. Abuse, wesh. Oh gros, hey, gros, c'est trop bien. Tu vois ou quoi? Aussi, j'ai une anecdote, quand j'étais petit, j'étais vraiment un connard. On est carrément avec le poteau artiste. Oh, comment ça va? Je crois qu'il n'y a pas une fois où Yuki, elle t'a vu, elle était calme. Mais à chaque fois, ça va ou quoi, Yuki? Tu l'excites. C'est bizarre de dire ça quoi. Eh les gars, vous savez pas, Ertis là il est venu avec un sac à dos. Sachez que c'est bizarre. Ça, c'est un sac à dos qui vient de sortir spécialement pour nous. C'est un sac à dos barbeur. Mais tu sais que tu vas. Là tu vas me coiffer que moi. Oui. Mais pourquoi tu ramènes 4 tondeuses? Je t'ai expliqué la dernière fois dans la vidéo. Toujours une tondeuse de secours. Oui c'est vrai. Il y a un miroir. Mais attends mais gros c'est incroyable. Bon, vous savez très bien qu'en ce moment avec Mich on se voit toutes les semaines. Hein, c'est vrai. C'est vrai que les gars pour danser avec les stars, Ertis il vient toutes les semaines. Bah ouais. Bah t'as vu danser avec les stars, faut être frais de fou. T'as suivi un peu le Z Event? Non. Tu connais pas? Attends, peut-être si. Tu sais c'est Zerator, il organise, il invite plein de streamers. Ouais. Et c'est en mode live caritatif. Ah oui oui si mais ça fait longtemps que c'est passé ça non? Ouais ouais mais en fait c'est tous les ans et cette année je le fais. Trop lourd. Je suis trop content. C'est quand la date? C'est fin octobre. 29, 30, 31. C'est grave lourd. Bon allez on fait propre. C'est parti. Allez ça repart. Eh les gars sachez que demain TF1, parce qu'aujourd'hui on a fait les répètes plateau, donc je le sais déjà. Demain mec, devine quoi? Quoi? Avant que je danse, qu'est-ce qu'il y a? La bulle. Ouais. comme à chaque fois depuis le début quoi en fait. Depuis le début. À chaque fois que j'ai fait ma danse, ils ont mis une pub avant. À chaque fois. Et là ça va être demain, ça va remettre la pub avant que je danse. Donc les gars demain quand je vais me préparer à danser, attendez-vous à ce qu'il y a une pub. T'as la voix cassée un peu mon ref là. Voilà j'ai la voix cassée. T'as pris un petit coup de froid ou quoi là? C'est à cause du taxi moto ça. Tu le prends le matin. En plus t'as vu le froid comment il commence à arriver là? Ah ouais le matin, bah je te dis que je le sens. Là vous sortez dehors, il caille de ouf. Pourquoi tu rigoles? C'est un vibromasseur. Abuse wesh. Les gars vous savez ce que c'est ça ou pas? C'est un objet très très étrange hein. Bah oui. Il est bizarre, juste ça vibre. Tu mets tes mains dedans. C'est un massage de main. C'est un massage pour vous les clients. En gros t'as une serviette, imagine toi, t'es allongé au RT Studio, posé, la petite serviette chaude sur le visage. Et après hop, nous on envoie la sauce tu vois. Et après, genre toi t'es allongé tu vois. Attends mais j'ai l'impression que ça va faire mal là. Oh, oh gros, hé hey, gros c'est trop bien. Tu vois ou quoi? Ah mais attends c'est incroyable. Et en fait on vous masse le visage grâce à ça. Mec ça masse le crâne. Ouais. Dalle ça avec les cheveux bleus ça serait une dinguerie. Arrêtez, laissez mes cheveux. Comment vous vous êtes connu avec Ertis? Bah c'est Inox hein. Ouais de base c'était Inox. Bah c'est Riyad. Riyad. Non c'est comment? Inox. Non c'est surtout C'est Inox, Inox directement. Ok. Ouais Parce qu'Inox moi il m'avait présenté en mode ouais il coiffe Riyad. Oui Riyad je le coiffais déjà depuis 2 ans avant. Ouais. Ah ouais, ouais. Riyad ça fait longtemps, il habite derrière chez moi Riyad. Tu le coiffes encore? Bah là je laisse pousser les cheveux là en ce moment. Ah ok. Il veut se faire sa coupe tu sais en mode japonais tout ça là, son délire là. Ah oui je vois. Il kiffe grave ces délires là mais... Fais une coupe tard Pogba. Eh hey, Pogba ses coupes de cheveux je kiffe trop. Mais en vrai les footballeurs ils font des coupes de cheveux de fou. Parce que t'as vu sur le terrain quand tu regardes la télé. Ouais. Tu vois que les cheveux qui ressortent. C'est vrai. Genre tu les reconnais comme vite fait. Moi je pense c'est pour faire la diff tu vois. Mais surtout avec les cheveux donc ouais. Je pense que moi je serais footballeur, je ferais exprès d'avoir une coupe qui se voit. Il faut se démarquer des autres en fait. Voilà c'est ça. Avec ta coupe de cheveux. Est-ce que vous croyez en ma théorie les gars? Dans le chat, ils sont en train de faire un débat. Est-ce que tu vas faire une teinture à Yuki ou pas? À qui? À Yuki. À Yuki? T'es fou, il va pas faire une teinture à Yuki, la pauvre. Non, 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 moi les animaux, je respecte, je touche pas. J'ai pas d'histoire avec ça, moi. T'imagines Yuki avec une teinture? Non, mais ça ferait trop mal en plus, non? Ouais. Tu comptes refaire ton studio? Je vous le dis en vrai, bientôt. Je vais bientôt le changer, le studio. Vous avez fait des sports quand vous étiez petit, les gars? Toi, t'as fait un sport quand t'étais petit? Moi, j'ai fait que du tennis, du hand. Ah ouais? Du foot, j'en ai fait. Ah, hand, j'ai fait aussi. T'as fait du hand? Mais hand, moi, j'ai fait du hand, mais genre 3 semaines. Ah. En mode, j'ai fait du hand, tu sais, j'ai commencé, j'avais 14 piges. Et eux, c'était une équipe qui était tous là depuis longtemps et ils se connaissaient tous. Et toi, ton niveau était éclaté quoi? Bah ouais, mais en soi, en fait, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que c'était des chiens en fait. Pourquoi? Bah genre, ils essayaient pas de m'intégrer, genre ils se foutaient de ma gueule. Ah, t'arrivais pas à t'intégrer quoi? Ouais, en mode, faites-lui pas la passe, c'est une merde et tout. Ah, t'es une petite victime quoi un peu. Ouais, c'était ça. J'ai dit, vas-y, le hand, c'est de la merde. Du coup, t'as fait tennis, hand, t'as fait quoi d'autre? Tennis, hand, foot. T'as fait foot? J'ai fait du foot. On dirait que niveau sport, bah je crois que ça peut se voir les gars. Je me suis jamais vraiment trouvé hein. Ah ouais. je me cherche encore. Mais si non, en vrai tennis je kiffais quand même le tennis. Ouais. C'était lourd en vrai. Mais tennis c'est trop chaud. Moi je sais que tennis, imagine il y a un terrain de tennis, j'y vais avec des potes. Bah frère on s'amuse pas. Michou tu kiffes le badminton? Mec bah attends, badminton. C'est technique hein. Gros on est d'accord, le badminton c'est le sport de collège.
Ouais, avec les chasubles ou je sais plus quoi là. Ouais. Avec les. Y a jamais personne qui t'a dit. Ouais, moi j'ai fait du badminton en club pendant 2 ans. C'est faux. Ça existe pas, ça. Le ping-pong, c'est d'art aussi. Badminton, gros, c'était bien, mais que en cours. Mmh. Je pense que mon truc préféré, mes meilleurs souvenirs de sport, c'est quand on faisait un badminton. Et tu sais, il y avait les terrains selon ton niveau. Quand tu gagnais le match, tu montais d'un terrain. Ah, c'était lourd, ça. Oh, mec, c'était trop bien. En plus, tu sais, moi j'étais au niveau parfait pour ça. Parce que j'étais pas trop fort, mais j'étais pas nul. C'est-à-dire tout le temps j'étais au terrain 2-3 et des fois j'allais au terrain 1 et j'étais en mode putain faut que je réussisse à le battre, faut que je devienne champion. C'était trop bien. Oh, nous on en faisait au collège. Ouais, moi j'ai fait au lycée. Hey, j'ai une question, est-ce que ça t'est arrivé? Je pense que ça a dû arriver presque à tout le monde. Tu te trompes de cartable. Le matin? Ah, tu confonds avec quelqu'un d'autre? Ouais, genre à la récré tu reprends un mauvais cartable. Bah oui, forcément, je pense que ça m'est arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, je pense. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé une fois, c'était ma phobie. Mmh. Je m'en rappelle, j'étais au collège. Des fois, il y a des gens, ils venaient, ils disaient: oh, je me suis trompé de cartable, c'est pas mes affaires. Oh, bah, j'étais en mode, mais il est con lui, c'est pas possible. Et 2 semaines après, ça m'est arrivé, j'ai moins parlé. Hein. T'avais pas les sacs ESPAC? Si, une fois, j'ai fait exprès. J'ai dit à un mec, genre, on a échangé de sacs exprès pour gagner du temps. C'est nul comme technique. Ouais. On a échangé de sac et comme ça on arrive, on a dit: oh, je me suis trompé de sac. Comme ça tu gagnes grave du temps. Demain en cours, il y a tout le monde qui va faire: excusez-moi, je me suis trompé de sac, madame. Les profs, ils vont rien comprendre. Non, moi j'étais le pro pour oublier tout le temps des trucs dans la cour. Tu sais, genre j'avais un manteau, je le laissais dans la cour et je l'oubliais. Ah, oui, et ouais. Ma daronne elle me tuait le soir. Les gens disparaissaient des fois et tout. Combien d'écharpes, de cagoules, de bonnet, j'ai perdu dans la cour, tu vois. Moi, c'est toutes mes cartes Pokémon, gros. Une fois, j'avais amené, tu sais que ça m'arrive, en fait, j'en avais tellement que je les ai amenés petit à petit. Et un jour, je me suis dit: mec, je vais faire la plus grosse journée d'échange. Je suis venu avec toutes mes cartes Pokémon et toutes mes plus rares. Alors, t'as vu les... Tu sais, moi, je triais en PV et toutes mes cartes qui avaient au-dessus de 100 PV, c'était mes cartes rares. Alors que ça faisait, mec, je pense que ça faisait genre 6 mois, j'ai changé toutes mes cartes Pokémon dans la cour et tout, genre je m'étais fait une collection de fous. Et je suis parti en milieu de cour parce que j'étais malade et je les ai oubliées dans ma case. Dans ton casier? Ouais. Je suis revenu genre 3 jours après, dans mon casier, il n'y avait plus de cartes. Et j'ai jamais su c'était qui. Moi, j'avais envie de pleurer. Ça se trouve, il est là. Mec, peut-être c'est un abonné. Hein. Ça se trouve, il regarde là. Bah, en fait, je pense que j'ai pleuré. Tu m'étonnes. Mec, j'avais perdu 6 mois. Pour moi, c'était du travail. J'avais perdu 6 mois de travail. T'avais accumulé tout ça, t'avais galéré. En plus, t'as vu, ma mère, elle voulait pas trop m'en acheter. Donc, vraiment, elle m'avait acheté un paquet. Et toutes les autres, c'est soit déjà, ils m'ont donné des petites cartes, soit je les ai gagnées, soit je les ai échangées. Mec, j'avais envie de pleurer. Aussi, j'ai une anecdote. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un connard. Mec, j'avais un pote. C'était mon meilleur pote presque. Genre, je le kiffais trop. Et gros, tu sais, je faisais quoi? C'était trop marrant. À chaque fois, j'étais un sadique, hein. À chaque fois qu'on allait en récré, tu sais, c'était en primaire quand on changeait pas de salle. Tout le monde sortait, moi je partais en dernier. J'allais à sa table et je prenais son stylo bleu et je le cachais. Genre, je le mettais dans ma poche et je le ramenais chez moi. Et gros, c'était trop marrant. Parce que, genre, au bout d'une semaine, genre, il rentrait, il revenait en cours. Et t'es en putain, il est où mon stylo bleu? Il le cherchait, il trouvait pas. Et tu sais, il en avait toujours un de rechange. Sauf qu'au bout de 3 jours, tu sais, il avait plus de stylo bleu et il était en mode putain. Je vais devoir demander à ma mère. Le lendemain, il revenait, je lui repétais son stylo. Et mec, j'ai fait ça pendant vraiment au moins 2 semaines, 1 mois, je pense. Et gros, c'était trop marrant. À la fin, il demandait même à la prof. Il disait à la prof: mais je comprends pas, je perds mon stylo et tout. Et un jour, il avait ramené son stylo bleu, mais genre, c'était son stylo fétiche. Ouais. Et je l'avais pareil, je l'avais pété. Mais il savait que c'était toi à la fin, non, ou quoi? Il savait pas. Ah ouais? Il a jamais su, gros. En plus, moi, comme j'étais son pote, il me le disait, il me racontait. Il me disait: gros, je comprends pas. Je pomme mon stylo et tout. Je vais devoir redemander à ma mère, elle va me défoncer. C'est la 3e fois qu'on l'en achète et tout. C'était trop marrant. Eh mec, j'étais mort de rire. En vrai, j'en faisais des conneries quand j'étais petit. On a tous fait, hein. Ah, la beubar. Attends, c'est comment là? Attends, en vrai, c'est un sujet important. Ah, c'est un sujet important, attends. La beubar. Faut prendre en compte le sujet de la beubar maintenant. Ah, en vrai, je pense qu'on peut laisser là. Là, ça va, elle est bien cette taille là. Moi, j'aime bien là. Ouais, tout est bien là. Regarde de plus près à la cam. C'est bien cette longueur? Ouais, c'est parfait, hein. Est-ce que le dégradé est propre? Mignon, mignon. Ça va, l'air plutôt propre. Bah gros, t'es boss. Tu es célib? Ouais, je suis célib, ouais. Et les gars, en fait, je répondrai jamais en couple, je crois. Tu te rends compte qu'en 20 ans, tu sais que j'ai jamais été en couple, en vrai? C'est vrai? Pour de vrai, hein. Jamais posé, tout? Non, jamais une vraie meuf, genre une meuf.
Bah ouais, mais c'est. Hey, moi, je trouve que de nos jours, c'est de plus en plus dur de rencontrer quelqu'un, genre. Mais vraiment. Ah ouais, non. Vraiment. Bah non, justement, c'est plus simple avec Insta et tout. Oui, je sais, mais en fait, j'ai l'impression que. En fait, on tourne vite la page, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que de la consommation, ça, tu vois. Ouais. C'est tac, on passe à autre chose. Ouais, tac, on passe à autre chose. Que avant, tu vois, genre, quand tu rencontrais quelqu'un. Ouais, ça, on dirait que je suis un ancien quand je parle de ouf, mais. Genre. Nos darons, par exemple, quand ils se rencontraient à l'époque, ils restaient ensemble toute leur vie, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah voilà, on a fini le Michel. On a fini? Ouais, c'est bon, c'est carré. Bah carré. Est-ce que je suis pas un maximum beau? Mais tu m'as coiffé en fait? Ouais, bah vite fait, un petit peu. Mais tu sais que là, je vais rentrer, je vais Netflix en chill. Hein. Mais sans meuf. Ouais, mais bah du coup Yuki. Ça sert à rien. Ah, c'est pour Yuki. Yuki. Je suis beau gosse pour Yuki. Voilà. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit live. Voilà, nouvelle coiffure, un nouveau Michou. Je suis encore plus frais qu'avant, alors que j'étais déjà frais. Là, je suis encore plus frais, c'est quand même dingue. Exactement. Bisous les gars. Bisous les gars, bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.